insulte comme une ouf. Apparemment, je détiens le meilleur kebab de Paris. On va en juger ce soir ensemble. Je pense que dans le lot, là, tous ceux qui me regardent, il y a des connaisseurs de kebab. Et quand je vais vous dire de quoi il s'agit, vous allez me dire ah ouais. Il s'agit, mesdames, messieurs, de Baziz. Alors attendez, parce qu'il y a de la quantité. D'ailleurs, tous les amateurs de kebab, là, si vous connaissez, parce que c'est sûr vous connaissez, si vous connaissez pas, en fait, si vous êtes pas des amateurs kebab, dites-moi en com ce que vous prenez chez eux, parce que moi, en fait, impossible de me décider. Il y avait trop de trucs. Du coup, là, on part sur une full dégustation. Vous êtes pas prêts? Oh, Dios mios. Je sais plus où donner de la tête. Là, j'ai trop de trucs à manger. On part sur les deux petites limonades. Waouh, elles sont trop bonnes. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, j'ai la petite nouveauté du moment parce qu'ils ont fait une collab avec Poulet Braisé, un burrito, mais garni. Pico de gallo, riz rouge, guacamole. Je commence direct par ça, en fait. Si je pouvais vous faire peser le truc... Oh mon dieu, le... J'ai jamais vu un burrito aussi gros de ma vie. C'est pas possible, pour manger un truc comme ça, il faut la carte VIP, là. J'attaque fort, j'attaque fort. Oh. Alors là, les gars, je peux même pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Oh, on commence fort. Regardez-moi ça. C'est un banger. Le poulet mariné à l'intérieur. Vous savez mon amour pour le poulet, en plus, moi. On a plein de petits légumes croquants. On a une sauce qui est trop bonne. Je sais pas ce que c'est. Les gars, ils blaguent vraiment pas. Regardez-moi cette couche de riz. Regardez-moi la couche de légumes qu'on a. Validé. Maintenant, on va tester le classique légumes croquants sauce maison. Mais attendez, mais déjà, c'est une beauté. Oh my god. Ah, mais je comprends. Et là, je comprends tout. Je comprends tout, tout s'éclaire dans mon cerveau, là. Les gars, c'est pas du pipeau, je crois que c'est le meilleur de ma life que j'ai jamais mangé. Les légumes sont trop bons, la viande, je vous en parle même pas. Il y a un petit goût addictif dessus, je pourrais pas vous dire. Et la sauce, en fait, même le pain, il est ouf. Regardez, ils ont mis toute leur baraque à l'intérieur. Excusez-moi, mais là, en fait, tu sais pourquoi tu donnes tes sous. Oh, mais ça, ça fait plaisir, excusez-moi. Le chou croquant, mais le poulet. Oh purée, heureusement, je suis allée au CrossFit ce soir. Baziz, Baziz à Belleville, les gars. Vous savez pas, c'est que c'est pas fini. On enchaîne. On passe au K-pop 3.0, des morceaux de poulet frit. Ça, c'est bon aussi, là. De toute façon, j'aime trop le poulet. On dit jamais non, un petit morceau de poulet frit. La sauce dessus est trop bonne. Ah, les Africains, les Antillais, enfin, excusez-moi, je sais plus trop de quel pays ça vient. Les Alocos. Oh là là. Je sais plus si c'est africain, antillais, mais les Alocos. Je crois que ça, d'ailleurs, c'est en collab avec Poulet Braisé, mais celles-ci, elles sont particulièrement bonnes. Petite frite sauce verte au passage. Tout est bon. Oh, je suis au paradis de la bouffe. Un petit bonheur. Attends, je vous jure, je suis pas une meuf des kebabs. Hein. Mais là, là, c'est bon, là, je suis convertie. S'il y en a qui ont jamais testé Baziz, vous avez raté un truc. Mais t'as raté un truc, je te jure. Hein. Bon, clairement, on n'y va pas la première fois pour tester avec un date parce que c'est pas très sexy. Après, tu me diras, si tu vas en date avec un mec qui kiffe les kebabs, franchement, tu l'emmènes dans la meilleure adresse de Paris, là. Hein.